L'âme est le corps. L'âme vers son créateur dont la connaissance est absolue. L'âme, Naf, est dominée par l'énergie spirituelle qui l'unit à son Seigneur, à travers une relation d'adoration inconditionnelle et éternelle qui lui donne de vivre à chaque instant une jouissance pleine. Le corps matériel est placé en second plan pour laisser place à l'âme, Naf, en premier plan, par la perte de ses fonctions matérielles, par sevrage le jeûne se référant à une sorte de séparation. Le corps matériel, il se réfère au bas monde, à Al-Dunya, à la différence de l'âme, Naf, désignant l'au-delà, à l'Akira. Le corps se nourrit de subsistance de la terre et l'âme se nourrit de lumière, Roux. L'âme a toujours eu fonction de s'élever vers son créateur par l'adoration jusqu'à notre mort en quittant en finalité le corps, Badan. Le corps qui se matérialise fortement ne laisse aucune place paisible à l'âme, Naf, et c'est ce qui la torture d'où l'importance d'élever sa foi pour qu'elle puisse se déployer. L'âme est enfermée dans ce corps matériel et doit absolument se détacher du monde pour s'élever dans une jouissance pleine en se nourrissant par la foi, la lumière en Nour. Elle n'a pas d'autre subsistance. Son ennemi est l'obscurité et le corps matériel. Le corps matériel est constitué par des choses tangibles ou qui est lié à leur possession. Bénéfice, bien-être, bonheur, œil immatériel, plaisir matériel, luxe matériel. Relatif aux nécessités de la vie quotidienne, aux moyens d'existence. Gêne matériel, besoin, souci matériel, condition, facilité, possibilité matérielle. Attaché essentiellement aux biens matériels, terre à terre. Les âmes spirituelles vivent à travers ce monde matériel, le corps subtil recouvre l'âme spirituelle. L'âme peut pleinement oublier sa relation avec Dieu et s'absorber dans le corps, mais ceci n'est pas sa position normale. Aussi loin de l'adoration de Dieu, l'âme ne peut être pleinement satisfaite et développer les caractéristiques propres à sa nature spirituelle. La souffrance expérimentée par l'âme spirituelle conditionnée dans le monde matériel engendre naturellement une recherche du bonheur, de sa plénitude car l'âme est faite, de par sa nature spirituelle. De ce désir, naît graduellement le discernement, duquel naît à son tour une recherche sur la nature de la réalité ultime. L'âme en vient à se tourner enfin vers son Seigneur et à s'abandonner à lui. En conclusion. L'âme ne peut trouver le bonheur dans le monde matériel, elle doit par l'adoration fortifiée et l'endurance prendre victoire sur le corps matériel afin d'éviter toute domination. Si l'inverse advenait, l'âme se retrouverait perdue.
L'âme et le corps. L'âme vers son créateur dont la connaissance est absolue. L'âme, Naf, est dominée par l'énergie spirituelle qui l'unit à son Seigneur, à travers une relation d'adoration inconditionnelle et éternelle qui lui donne de vivre à chaque instant une jouissance pleine. Le corps matériel est placé en second plan pour laisser place à l'âme, Naf, en premier plan, par la perte de ses fonctions matérielles, par sevrage le jeûne se référant à une sorte de séparation. Le corps matériel, il se réfère au bas-monde, à Al-Dunya, à la différence de l'âme, Naf, désignant l'au-delà, à l'Akira. Le corps se nourrit de subsistance de la terre et l'âme se nourrit de lumière, Roux. L'âme a toujours eu fonction de s'élever vers son créateur par l'adoration jusqu'à notre mort en quittant en finalité le corps, Badan. Le corps qui se matérialise fortement ne laisse aucune place paisible à l'âme, Naf. Et c'est ce qui la torture d'où l'importance d'élever sa foi pour qu'elle puisse se déployer. L'âme est enfermée dans ce corps matériel et doit absolument se détacher du monde pour s'élever dans une jouissance pleine en se nourrissant par la foi, la lumière en Nour. Elle n'a pas d'autre subsistance. Son ennemi est l'obscurité et le corps matériel. Le corps matériel est constitué par des choses tangibles ou qui est lié à leur possession. Bénéfices, bien-être, bonheur, œil immatériel, plaisir matériel, luxe matériel. Relatif aux nécessités de la vie quotidienne, aux moyens d'existence. Gêne matériel, besoin, souci matériel, conditions, facilité, possibilité matérielle. Attaché essentiellement aux biens matériels, terre à terre. Les âmes spirituelles vivent à travers ce monde matériel, le corps subtil recouvre l'âme spirituelle. L'âme peut pleinement oublier sa relation avec Dieu et s'absorber dans le corps, mais ceci n'est pas sa position normale. Aussi loin de l'adoration de Dieu, l'âme ne peut être pleinement satisfaite et développer les caractéristiques propres à sa nature spirituelle. La souffrance expérimentée par l'âme spirituelle conditionnée dans le monde matériel engendre naturellement une recherche du bonheur, de sa plénitude, car l'âme est faite, de par sa nature spirituelle. De ce désir, naît graduellement le discernement, duquel naît à son tour une recherche sur la nature de la réalité ultime. L'âme en vient à se tourner enfin vers son Seigneur et à s'abandonner à lui. En conclusion, l'âme ne peut trouver le bonheur dans le monde matériel, elle doit par l'adoration fortifiée et l'endurance prendre victoire sur le corps matériel afin d'éviter toute domination. Si l'inverse advenait, l'âme se retrouverait perdue. L'âme et le corps. L'âme vers son créateur dont la connaissance est absolue. L'âme, Naf,
est dominé par l'énergie spirituelle qui l'unit à son Seigneur, à travers une relation d'adoration inconditionnelle et éternelle qui lui donne de vivre à chaque instant une jouissance pleine. Le corps matériel est placé en second plan pour laisser place à l'âme, Naph, en premier plan, par la perte de ses fonctions matérielles, par sevrage le jeûne se référant à une sorte de séparation. Le corps matériel, il se réfère au bas-monde, à Al-Dunya, à la différence de l'âme, Naph, désignant l'au-delà, à l'Akhira. Le corps se nourrit de subsistance de la terre et l'âme se nourrit de lumière, Ru. L'âme a toujours eu fonction de s'élever vers son créateur par l'adoration jusqu'à notre mort en quittant en finalité le corps, Badan. Le corps qui se matérialise fortement ne laisse aucune place paisible à l'âme, Naph, et c'est ce qui la torture d'où l'importance d'élever sa foi pour qu'elle puisse se déployer. L'âme est enfermée dans ce corps matériel et doit absolument se détacher du monde pour s'élever dans une jouissance pleine en se nourrissant par la foi, la lumière en Nour. Elle n'a pas d'autre subsistance. Son ennemi est l'obscurité et le corps matériel. Le corps matériel est constitué par des choses tangibles ou qui est lié à leur possession. Bénéfices, bien-être, bonheur, œil immatériel, plaisir matériel, luxe matériel. Relatif aux nécessités de la vie quotidienne, aux moyens d'existence. Gènes matériels, besoins, soucis matériels, conditions, facilités, possibilités matérielles. Attaché essentiellement aux biens matériels, terre à terre. Les âmes spirituelles vivent à travers ce monde matériel, le corps subtil recouvre l'âme spirituelle. L'âme peut pleinement oublier sa relation avec Dieu et s'absorber dans le corps, mais ceci n'est pas sa position normale, aussi loin de l'adoration de Dieu, l'âme ne peut être pleinement satisfaite et développer les caractéristiques propres à sa nature spirituelle. La souffrance expérimentée par l'âme spirituelle conditionnée dans le monde matériel engendre naturellement une recherche du bonheur, de sa plénitude car l'âme est faite, de par sa nature spirituelle. De ce désir, naît graduellement le discernement, duquel naît à son tour une recherche sur la nature de la réalité ultime. L'âme en vient à se tourner enfin vers son Seigneur et à s'abandonner à lui. En conclusion. L'âme ne peut trouver le bonheur dans le monde matériel, elle doit par l'adoration fortifiée et l'endurance prendre victoire sur le corps matériel afin d'éviter toute domination. Si l'inverse advenait, l'âme se retrouverait perdue.